Que se passe-t-il dans les zones crépusculaires des océans? Entre 30 et 150 mètres. Dans ces endroits méconnus, rarement observés, peu accessibles aux hommes. Ces profondeurs éclairent-elles ce qu'il se passe en surface? Pendant 12 mois, la mission Deep Hope, menée par une équipe de plongeurs professionnels et de scientifiques, étudie ce monde en Polynésie française. Elle se concentre sur les coraux crépusculaires. Depuis quelques années, la science se demande si ces coraux, vivant au-delà de 30 mètres de profondeur, peuvent permettre la sauvegarde des récifs coralliens si menacés dans le monde. Mais lorsqu'on s'aventure là où personne ne va jamais, il faut aussi s'attendre à vivre des choses que personne ne vit jamais. Donc, on va passer maintenant à la deuxième partie, donc le débat avec notre panel d'experts, que je vais laisser. Donc, nos six experts vont se présenter pendant 2 minutes chacun. Et ensuite, on relayera vos questions. On a déjà commencé à recevoir des questions pendant la projection, mais nous vous invitons maintenant que cette projection est terminée à indiquer et à inscrire vos questions dans la fenêtre de chat. Donc Emmanuel, je vais vous laisser donc la parole, je vais vous laisser vous présenter, même si on vous voit dans le film. Donc encore un grand merci de nous avoir permis de présenter ce documentaire qui est magnifique, hein, aujourd'hui à la communauté de Respect Océan. Donc je vous laisse donc toutes et tous brancher vos webcams et vous présenter pendant 2 minutes et expliquer aussi pourquoi on vous a convié à ce panel d'experts à la suite de cette projection. Eh ben, bonjour à tous. Donc moi je suis Emmanuel Perrier-Bardou. Bah vous m'avez vu dans le documentaire, mais donc je dirige les expéditions Under the Pole avec mon mari Guilin. Je suis également plongeuse recycleur et de formation. Au départ, moi, je suis marin. J'ai appris en autodidacte un peu tout le travail d'entrepreneur et de gestion de projet avec les expéditions Under the Pole. Auparavant, je travaillais pour Jean-Louis Etienne, l'explorateur, et c'est grâce à lui aussi que j'ai... qu'on a appris avec Guilin, qui travaillait aussi pour lui à monter des expéditions. Voilà. Donc, je vais laisser la parole aux autres qu'on voyait moins dans le film. Mais merci à tous, en tout cas, d'être là ce soir. Merci, Emmanuel. Donc, Laetitia, je vous laisse vous présenter en 2 petites minutes, puisque vous aussi, on vous voit dans le film. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis Laetitia Edouin. Je suis chercheure au CRIOB. Donc, c'est le Centre de recherche insulaire et observatoire de l'environnement. Et moi, ça fait 10 ans que je travaille là-bas. Donc, ma spécialité, c'est le corail. Et grâce à Under the Pole, voilà, comme vous avez pu voir, on a pu aller explorer un domaine des récifs coralliens que moi, je n'avais jamais pu explorer. Voilà. Dominique, je vous laisse vous présenter 2 petites minutes. Bonjour. Alors, moi, je n'ai pas. Ça paraît pas dans le reportage, j'aurais bien aimé d'ailleurs, parce que les images sont absolument extraordinaires. Je suis conservateur en charge du milieu vivant à Océanopolis, à Brest, hein, qui est un centre de culture scientifique dédié à l'océan. Et je suis également président de l'Union des conservateurs d'aquariums français. Donc les aquariums en France et ailleurs dans le monde travaillent depuis assez longtemps maintenant avec les coraux et ont acquis une expertise qui peut servir, notamment dans le cadre de recherches scientifiques sur les récifs coralliens. Merci Dominique. François, je vous laisse vous présenter également.
Oui, bonsoir. Donc, François Briand, je suis le fondateur de l'Institut polynésien de biomimétisme qu'on a créé avec Laetitia, son équipe et puis d'autres membres actifs, bien sûr. Et notre mission, c'est d'essayer de voir finalement les récifs coralliens comme une source d'inspiration pour faire des innovations en biomimétisme. Et un de nos projets, peut-être on en parlera tout à l'heure, c'est justement d'utiliser cette approche biomimétique pour transformer les merceries, les dispositifs de restauration corallienne. Donc, on était vraiment au cœur du sujet qui nous passionne aussi ce soir. Merci, merci beaucoup à tous de ces belles images. Merci François. Julien, je te laisse te présenter également. Je suis directeur de projet chez Cboost. Je pilote notamment tous les projets en environnement tropical. Donc, c'est pour ça que je suis là. Je travaille beaucoup avec Laetitia sur des sujets coralliens. Évidemment, et voilà, notre travail, c'est d'essayer de trouver, d'appliquer des méthodes de restauration qui soient aussi efficientes que possible et de trouver les budgets en face pour arriver à les mettre en œuvre tout simplement petit pas par petit pas pour essayer d'être à l'échelle de la problématique actuelle, tout simplement. Et merci pour ce documentaire, en fait, je suis également plongeur recycleur à côté, ça m'a mis des paillettes plein les yeux. Merci. Oui, je pense que ça a été le cas de beaucoup de personnes qui assistent à ce ciné-débat aujourd'hui, à commencer par moi. Donc Didier, je vous laisse vous présenter et ensuite on passera à la session de questions-réponses. Pendant que Didier se présente, je vais basculer sur l'écran de notre facilitatrice graphique, Fanny Didou, qui du coup a commencé à schématiser donc notre projection de ce soir et qui va en faire un visuel qui sera ensuite partagé avec l'ensemble de notre communauté. Donc Fanny, je t'invite à... Voilà. Donc allez-y Didier et ensuite on passe à la session de questions-réponses. Donc du Centre scientifique de Monaco. Donc je suis chercheur comme Laetitia, mais à Monaco. Et on travaille depuis plus de 30 ans au Centre scientifique sur les coraux. Et moi, ça fait plus de 25 ans maintenant que je travaille sur les coraux et je travaille plus particulièrement sur comment un corail fait un squelette, comment il construit le squelette. Et donc, voilà, et je suis biologiste moléculaire aussi. Voilà. Merci. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir accepté de prendre part à ce panel d'experts à la suite de notre ciné-débat. Donc, nous avons visiblement des participants qui ont regardé le film en famille, puisque... Certains participants expliquent qui pose la question. Donc voilà, il y aura des questions un peu novices qui sont posées par les enfants qui étaient derrière leur écran aujourd'hui également, et des questions un peu plus scientifiques. Je vais commencer par des questions d'introduction. Donc j'essaye de faire le tri, mais on en reçoit beaucoup. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous peut expliquer ce qu'est la théorie du refuge? Laetitia, hein, je pense que. Oui, alors en fait, on a commencé à découvrir les récifs mésophotiques il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Et en fait, on s'est aperçu que ces coraux qui vivaient dans les profondeurs, notamment dans la zone de 40, 60 mètres, en fait, ils étaient capables d'émettre des larves. Et ces larves, en fait, elles sont capables de se déplacer dans la colonne d'eau et notamment, elles étaient capables de remonter en surface et de venir en fait se fixer dans la zone de surface entre 6 et 20 mètres. Donc, en fait, on a vu qu'il y avait, c'était les mêmes populations en fait, qui se retrouvaient soit à 40 mètres et donc à 6 mètres. Et comme aujourd'hui, on sait que les récifs coralliens dans la zone de 6-20 mètres, en fait, ils sont fortement dégradés par les pressions anthropiques, bah, du coup, ça a montré qu'il restait toute une vie qui était possible dans les profondeurs de l'océan et qui était notamment, en quelque sorte, épargnée par toutes les menaces que l'homme crée sur les récifs coralliens. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a appelé ça la théorie des refuges, parce qu'en fait, ça crée voilà, une protection, en fait, une zone qui, finalement, est un petit peu épargnée des menaces environnementales. Merci beaucoup. Donc, je vous laisse. Donc, on est en distanciel ce soir, mais vous pouvez évidemment compléter, interagir avec les réponses des uns et des autres, bien que tous dans des lieux différents. Une autre question, est-ce que vous pouvez expliquer comment les coraux peuvent être colorés à cette profondeur avec si peu de lumière? Là, c'est au contraire, justement, puisque les algues qui en fait donnent la couleur au corail, hein, le corail a un tissu en fait transparent, et la couleur est donnée par les algues symbiotiques qu'on appelle
des lignoflagellés en fait. Et normalement, cette couleur, plus, moins il y a de lumière, plus il va avoir des pigments qui vont permettre de capter cette lumière et donc ils seront plus foncés en fait par rapport à des coraux de surface. Tu peux compléter, Laetitia, si. Oh, non, c'est bon. Eh bien, alors on passe à une autre question. Donc on a bien vu les limites, vous expliquez bien dans le documentaire, les limites humaines des plongées, des récoltes en plongée. Est-ce qu'il existe d'autres méthodes aujourd'hui, et notamment de faire appel à la robotique ou à des machines qui peuvent potentiellement aller plus loin et plus profond dans ce monde crépusculaire qui permettrait de développer encore la connaissance et peut-être d'aller plus en profondeur? Est-ce qu'il y a d'autres solutions que les récoltes en plongée aujourd'hui? Alors oui, effectivement, il y a d'autres solutions. Enfin, nous, je vois au laboratoire au Criob, on a un de nos chercheurs en fait qui développe des robots avec des bras ou avec des pinces, des choses comme ça. Moi, j'ai assisté à des collectes de ce fameux robot avec la pince. Et alors, effectivement, c'est possible à faire, mais alors c'est beaucoup moins efficace qu'un humain sous l'eau, quoi. Voilà. Donc, j'avoue que toute l'équipe d'Under the Pole est beaucoup plus efficace qu'un petit robot. Hein. On va pas. Et c'est vrai que, par exemple, on n'aurait pas pu faire le programme et la collecte qu'on a fait avec un robot, sinon il nous aurait fallu peut-être 10 ans, quoi. Voilà. Donc, c'est vrai que le robot, c'est bien, mais je pense que c'est bien quand on peut pas aller dans des zones finalement où l'humain peut aller. Et cette zone mésophotique, c'est finalement quand même une zone qui est encore accessible en plongée. Alors, effectivement, Guylain, il a raison, hein, c'est quand même des plongées qui sont engagées, qui sont dangereuses, donc en fait, il faut vraiment se concentrer quand ils y vont. Mais du coup, dans cette zone-là, je pense que d'y aller avec des vrais plongeurs, c'est quand même beaucoup plus efficace en termes de collecte et de recherche. Et après, c'est vrai que par contre, je trouve que ces robots qu'on peut développer, ben, ils sont bien si on veut aller en dessous de cette zone-là, justement, plus explorer 200, 1000, 3000, 4000 mètres. Et c'est notamment ça qui est utilisé après quand c'est très, très profond. Voilà. J'ai envie de dire, nous, pour notre thématique à nous, c'était quand même plus facile, et plus pratique, en gros, de passer par des experts de la plongée profonde comme le sont les gens d'Under the Pole. Oui, on peut juste préciser qu'il existe des coraux qui ne sont pas mésophotiques, ce qu'on n'appelle pas mésophotiques, mais qui peuvent être bien plus profonds. On peut descendre le plus profond que je connais, il y a été pris à 4500 mètres de profondeur. Mais ce ne sont pas des coraux de récif, comme ceux qu'on a vus dans le reportage. Et donc, on les récupère avec des ROV, en fait, des robots, en fait. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué, avec le bras articulé, de récupérer des échantillons. Ouais, moi, je rajouterais peut-être aussi que au début du programme d'IPOP, avec Laetitia et les autres scientifiques, on avait prévu un ROV. On avait également prévu des casques audio et des caméras qu'on a testées hein, pour communiquer avec les scientifiques en surface. Et en fait, très rapidement, dans la mise en place des plongées, on est revenu de plus en plus de simplicité parce que finalement, le ROV, on avait envie de l'utiliser pour faire du repérage. Mais on s'est rendu compte qu'on était beaucoup plus efficace et que c'était beaucoup moins lourd dans toutes les conditions bah, en fait, de faire une plongée de repérage sur zone rapide pour voir ce qu'il y avait. C'est ce qu'on a fait au Gambier, par exemple, avant d'aller récolter le corail à moins 172. On a fait deux plongées pour voir rapidement en pointe jusqu'à combien on voyait descendre les coraux. Et les systèmes d'audio où on pouvait communiquer un peu avec les scientifiques en surface, c'était bien au tout début quand on découvrait un peu qu'est-ce qu'on devait prendre ou pas prendre. Mais très rapidement, en fait, le fait de s'alléger et de juste être avec un scooter et le matériel scientifique, ça nous permettait d'être vraiment efficace, quoi. Et le temps est compté sous l'eau aussi. Merci pour toutes vos réponses. Et pour rebondir sur cet aspect temps, ouais. Le robot, ça peut être aussi intéressant pour la dimension temps. En fait, on a vu que quand on est très profond, on est hyper restreint. Et du coup, avoir des robots sur des suivis stationnaires ou des choses comme ça, où on va essayer de suivre quelque chose sur la durée, là, c'est une technologie qui est clairement intéressante parce qu'on n'a pas cette limitation-là. On s'affranchit de la dimension temps, à l'exception de la batterie et des choses comme ça. Mais ça a une plus-value là-dessus, c'est certain. Merci beaucoup. Donc, pendant que vous répondiez à cette question, moi, j'essaie de voir un petit peu toutes les questions qui arrivent et je vous propose une synthèse de plusieurs questions sur l'expédition, justement.
Combien de temps a duré donc cette mission, cette expédition? Combien de plongées vous avez réalisées, vous avez effectuées, et combien de types de coraux différents vous avez réussi à collecter? Alors, je peux répondre aux deux premières. L'expédition, elle a duré 10 mois pleins. Entre le début et la fin de l'Hippope, et on est revenu cette année 2 mois et demi travailler encore avec Laetitia pour compléter un peu ce programme. La deuxième question, c'était le nombre de plongées. Le nombre de plongées. Alors je crois qu'il y a eu 1000 plongées individuelles sur l'Hippope. C'est-à-dire que pour en tout quoi, il y a eu 1000 plongées d'effectuées profondes. Au-delà de ouais. Et du coup on a collecter 6000 échantillons en tout, à peu près. La collection qu'on considère de coraux mésophotiques, il y en a 1500 en fait, qui ont été collectés en dessous de, en fait, en dessous de 30 mètres et qui font partie de la collection vraiment taxonomique, en quelque sorte. Parce qu'après, il y en a d'autres qui ont été collectés en dessous, mais qui ne vont pas faire partie de, vraiment de la collection taxonomique en gros, qu'on met dans les musées. Et alors, le nombre d'espèces exactes, on ne l'a pas encore parce qu'on est encore en train de finir l'identification des espèces de coraux. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même très, très compliqué, en fait, de définir, en fait, et d'identifier vraiment au niveau de l'espèce. On a collecté plus de 40 genres coralliens. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Donc, je passe à la synthèse de plusieurs autres questions qui ont toutes rapport avec, finalement, l'acidification de l'océan et les changements climatiques. Est-ce que, finalement, les coraux mésophytiques peuvent être épargnés, justement, par l'acidification de l'océan? Quelle est la conclusion, finalement? Est-ce qu'il y en a déjà une conclusion? Est-ce qu'il y a déjà des premiers résultats qui apparaissent? Est-ce que ces coraux sont épargnés? Et est-ce qu'ils font preuve de plus de résilience que les autres types de coraux? Alors, on ne sait pas aujourd'hui, on ne peut pas vraiment savoir si les coraux mésophytiques sont épargnés par l'acidification des océans, parce qu'en fait, l'acidification des océans, c'est un processus qui est en cours et qui vraiment touchera les récifs coralliens en 2050. Par contre, ce qu'on sait, nous, ce qu'on a trouvé au travers de Deep Hop, c'est qu'en fait, on avait beaucoup plus de diversité en espèces, en fait, dans la zone des 40 à 60 mètres par rapport à ce qu'on pouvait trouver en surface entre 6 et 20 mètres. Et en gros, ce résultat, ce que ça nous montre, c'est que bah, finalement, on a perdu de la diversité en surface et on l'a perdu à cause justement des pressions environnementales, plus comme le changement climatique, donc c'est-à-dire le réchauffement d'eau, notamment en Polynésie française. Et donc, du coup, en quelque sorte, effectivement, les coraux qui vivent plus profond, eux, ils sont moins touchés par le réchauffement climatique. Et c'est surtout ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand l'eau se réchauffe, les coraux, ils blanchissent. Mais ils blanchissent pour deux raisons. C'est que la température de l'eau se réchauffe, et ça, c'est associé au facteur lumière. Et du coup, en surface, il y a beaucoup de lumière. Et donc, ces deux paramètres combinés font qu'ils vont beaucoup blanchir. Et du coup, même si la température de l'eau, elle augmente en profondeur, comme le facteur lumière n'est pas associé, ben, le stress est moins intense. Et du coup, finalement, ils vont moins blanchir. Et lorsqu'on avait l'expédition Deep Hop, on a pu, sur Moréa, en fait, justement, regarder le pourcentage de coraux blanchis, parce qu'on y était en 2019, il y avait un gros épisode de blanchissement. Et en fait, en surface, on avait 40% des coraux blanchis. Et quand on était à 40 mètres, on n'avait plus que 10%. Donc, en fait, on voit bien que le blanchissement touche vraiment les coraux de surface et beaucoup moins ceux des profondeurs. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on considère que finalement, plus on descend en profondeur, plus ils sont protégés de ces menaces global. Sur l'acidification, en fait, c'est plus compliqué parce que déjà, on n'a pas, enfin, moi, à ma connaissance, on n'a pas vraiment des suivis de pH dans les profondeurs. Et surtout, en fait, bah, l'acidification, c'est une menace qui viendra dans le futur parce que les prédictions qu'on a, c'est surtout pour 2100. Voilà. Je ne sais pas si Didier, tu veux rajouter quelque chose sur l'acidification. Je suis d'accord avec toi. En fait, les prédictions donnent une baisse de 0,3%, 0,3 unités de pH pour 2100. Les effets escomptés, c'est qu'on a en fait, contrairement à la plupart des coraux en la température, on a des qu'on appelle des winners, des gagnants par rapport à des losers. C'est-à-dire qu'il y a des coraux qui résistent beaucoup plus à l'acidification que, par exemple, les augmentations de température. On sait qu'à un certain niveau, tous les coraux vont périr à cause vont blanchir en tout cas, à cause de cette température, alors que l'acidification des océans
l'acidification, il y a des espèces plus résistantes que d'autres. Donc déjà, il y a une grosse différence sur ce stress. Après, il y a les stress combinés, hein, que ce soit température, maintenant acidification des sols et d'autres stress qui viennent s'ajouter maintenant, qui sont par exemple les phénomènes d'hypoxie et d'anoxie. Voilà. Donc, on n'a pas une réponse claire en fait. C'est pour ça que les études continuent d'ailleurs. Et je crois qu'on ne connaît pas bien non plus l'adaptation que vont pouvoir avoir les coraux à cette acidification. En aquarium, par exemple, on s'est aperçu, parce qu'on peut avoir des fluctuations du pH, qu'avec des baisses de pH finalement assez importantes et peut-être au-delà de ce qu'on imagine sur la fin du 21e siècle, on avait des coraux qui, en tout cas certaines espèces, qui s'adaptaient et qui continuaient de calcifier, de se développer. Enfin, donc, ça, alors c'est pas quelque chose de forcément scientifiquement démontré, mais ça peut laisser penser qu'il y a une capacité d'adaptation aussi sur le long terme pour ces coraux qui vont subir l'acidification. Oui, notamment certaines espèces. Donc nous, on étudie au laboratoire du Stylophora pistillata, qui est une espèce qui est assez répandue dans tous les océans et qui est très résistante en fait au pH. Et qui s'acclimate, on va dire pour l'instant, grâce à des phénomènes d'épigénétique ou grâce à des augmentations de gènes de la division cellulaire qui permettent en fait à ces coraux de résister. Alors bien sûr, ils calcifient, mais ils calcifient de façon différente. Ils sont beaucoup plus poreux. Mais ils arrivent à résister. Donc, on a quand même une certaine acclimatation des coraux à l'acidification de l'océan, alors que, comme je disais, à la température, c'est plus difficile. Merci beaucoup. Donc, une question qui s'inscrit un peu dans la continuité de vos réponses à la question précédente. Finalement, ces coraux qui sont plus résistants, est-ce qu'ils pourraient servir en restauration écologique pour les autres écosystèmes qui sont plus dégradés finalement? Est-ce qu'il y a des recherches? Est-ce qu'il y a des études qui utilisent déjà, voilà, qui donne des pistes sur l'utilisation de ces coraux résistants pour régénérer les autres écosystèmes? Alors, oui. Par exemple, on sait que certains coraux résistent à un certain niveau, la température, grâce à des algues différentes, en fait, des souches différentes d'algues qui sont présentes à l'intérieur de ces coraux. Donc, il y a des gens qui essaient, on fait ça l'évolution assistée, essaient de transférer ces algues unicellulaires résistantes à des coraux qui ne le sont pas. Par exemple, ça, c'est une piste. Après, c'est sûr qu'on utilise toujours tout cela pour essayer de transférer des gènes qui sont résistants vers d'autres espèces qui ne le sont pas. Mais tout ça, c'est pour l'instant à l'étude. C'est des pistes qu'on essaie d'explorer, mais qui ne sont pas probantes pour l'instant. Tu veux rajouter quelque chose, Laetitia? Moi, en fait, ce que j'ai pas bien compris dans la question, c'est s'il parlait en fait des coraux profonds qu'on remettait en surface. En fait, je pense que c'était le sens de la question. Je pense que c'était effectivement le sens de la question qui a été posée dans la fenêtre de chat. Oui. C'est pas à côté, mais c'est vrai. En fait, toi, t'as répondu par rapport aux coraux résistants dont tu parlais d'avant. Moi, à ma connaissance, effectivement. Jusqu'à présent, on n'a pas utilisé ces coraux profonds pour restaurer la surface. Et je pense que c'est bien qu'on n'ait pas encore fait parce qu'en fait, on est vraiment pas sûr qu'ils vont arriver à survivre en surface si on les déplace. Et vu comment nos écosystèmes en surface sont menacés, ce serait peut-être un pari qui ne serait pas très, très gagnant. Et en fait, on continuerait à les faire mourir, quoi. Et donc, je pense que l'idée, c'est plus que soit ils arrivent eux-mêmes naturellement en fait à avoir des larves qui viennent s'implanter en surface naturellement. Et du coup, là, il y a des processus d'adaptation naturelle qui peuvent se faire. Mais c'est vrai que pour l'instant, on ne les a pas pris pour les amener. Et je pense que ce qui les sauve, c'est qu'ils soient difficiles d'accès pour l'humain. Voilà. Donc, je pense que finalement, c'est une bonne chose en soi parce qu'on serait capable de
peupler toutes ces zones-là pour les remettre en haut et qu'elles vont mourir parce que de toute façon, on ne va rien changer aux menaces qui pèsent sur elles, quoi. Donc, je pense que c'est quelque chose auquel il faudra penser d'ailleurs. Merci. Je ne sais pas qui a posé la question, mais c'est quelque chose à garder en mémoire. Si je peux faire un complément par rapport à ça sur le volet restauration écologique, en fait, le constat, c'est que d'une part, on dégrade plus vite que ce qu'on répare. Donc, le volume de corail sain à l'échelle mondiale, il diminue. Et d'autre part, on répare moins bien que ce qu'on dégrade. Donc, dans ce volume de coraux restant, la qualité diminue également. Par rapport au documentaire et à cette question, du coup, ouais, évidemment que c'est hyper intéressant ces coraux du fait que, enfin, on dit dans le documentaire que la température fluctue beaucoup plus en profondeur. Donc, ces coraux, ils ont apparemment une capacité à mieux tolérer au fil du temps les variations de température. Est-ce que pour cette raison, il faut les prendre et les mettre en surface? Moi, je suis de l'avis de Laetitia de dire que c'est peut-être un peu mettre en tout cas au moins la charrue avant les bœufs. Par contre, c'est sur ce type de constat en fait qu'il faut s'appuyer pour arriver à définir des méthodes qui vont permettre à grande échelle de répondre aux enjeux de surface qui sont là aussi. Quand on émet l'hypothèse de on a peut-être une zone refuge avec des coraux qui vont émettre des larves qui vont retourner coloniser la surface, arriver à catalyser d'une manière ou d'une autre ces processus-là et à améliorer peut-être l'efficacité naturelle par endroit en favorisant la survie, la fixation, le développement ou ce genre de choses, c'est des moyens, sans pour autant aller taper dans les stocks de coraux profonds, d'améliorer leur colonisation en surface. Globalement, là, enfin, on a aujourd'hui trois gros freins dans la restauration écologique là-dessus. La connaissance, il y a des choses qu'on ne sait pas, on découvre des espèces, la preuve. La compréhension, il y a des choses qu'on sait et qu'on ne comprend pas. Et puis la mise en œuvre, quoi. C'est qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on n'est pas capable de faire pour des raisons logistiques, pour des raisons de budget. On ne peut pas faire de la transplantation à l'échelle de la Grande Barrière. Donc, toutes ces méthodes qui permettent en fait d'avoir un effet de levier et de passer d'opérations expérimentales à d'opérations à grande échelle, c'est clé, quoi. Grande échelle, avoir quelque chose de réplicable et d'accessible, là, on répond à la hauteur de l'enjeu. Et du coup, ça répond, enfin, pour répondre à la question, oui, c'est intéressant, directement, peut-être pas tout de suite, mais bien sûr que c'est une piste de réflexion qu'il faut pousser à fond, quoi. Après, on sait aussi que, ça vient compléter ce que dit Julien, c'est que les récifs, ils sont menacés, mais il y a un processus qu'on doit maintenir, c'est ce qu'on appelle la résilience des récifs. Donc, c'est l'arrivée de nouveaux individus et de nouvelles larves sur le récif, quoi. Donc, finalement, en préservant ces récifs profonds et sans y toucher, mais en préservant le fait qu'ils vont se reproduire et donner de nouvelles larves, en quelque sorte, on facilite la résilience d'autres zones du récif, quoi. Et enfin, là, justement, on en discutait juste avant avec François. En fait, nous, basés sur les résultats qu'on a obtenus de DeepHop, nous, ce qu'on est en train de faire, c'est nous, on a des pépinières coralliennes au départ qu'on avait en surface et qu'on avait dans le lagon. Et maintenant, on va les déplacer en profondeur parce que justement, finalement, l'environnement est plus safe, on va dire. Enfin, finalement, ils sont moins subis au choc de température. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des pépinières coralliennes profondes qui nous permettent de sauvegarder la diversité du récif. Et en espérant aussi, notamment, parce qu'on sait qu'ils sont capables de se reproduire au sein de nos pépinières via la manière dont on les élève. Et du coup, finalement, de contribuer à améliorer cette résilience. Donc, plutôt que de déplacer les coraux mésophotiques, on essaye d'en mettre là pour les sauvegarder et justement que ça améliore ces processus de résilience, quoi. Et juste pour compléter, Laetitia, finalement, ce que tu dis, ça valide des intuitions qu'on avait eues il y a 3-4 ans quand on avait démarré ce projet de bio-inspiration pour les nouvelles nurseries. Finalement, vos observations, Emmanuel et toute votre équipe, confirment qu'on peut avoir des coraux qui vivent, qui prospèrent, qui se reproduisent même très profond. Et que finalement, on est aussi confronté, comme le disait Julien, à des soucis techniques. Il faut qu'on arrive techniquement à mettre en protection les coraux qu'on va mettre en culture suffisamment efficacement et à des échelles qui vont effectivement pouvoir relancer la reproduction. Et cette dimension profondeur, on l'avait intuité et pour moi, ça confirme, ça valide bien que c'est un axe à travailler encore techniquement. Donc, c'est super, merci. Merci beaucoup. Donc, une autre question sur les algues. On a vu dans le documentaire que les algues avaient un rôle important pour ces coraux. Est-ce que le changement climatique pourrait induire des changements dans ces algues et qui pourraient nuire à ces types de coraux? Tu veux répondre, Didier?
La question, donc, en fait, le changement climatique, en tout cas, l'augmentation de température fait expulser ces algues des coraux. Ça, c'est ce qu'on appelle le blanchissement. Donc, ça, c'est un point. Il y a certaines espèces qui ne les expulsent pas, puisque certaines algues, en fait, on ne sait pas si elles sont expulsées par les coraux ou si c'est les algues qui quittent les coraux. Déjà, c'est des questions sujet à débat. Mais en tout cas, il y a certaines souches d'algues qui sont résistantes à ces chaleurs et qui sont très bien à l'intérieur du corail, et à ce moment-là, le corail ne blanchit pas du tout. Donc, par contre, est-ce qu'elles vont, elles, ces algues, coloniser d'autres coraux? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Et on essaie de le faire artificiellement, je l'ai expliqué tout à l'heure, en essayant de transférer ces algues dans des coraux qui, eux, blanchissent. Maintenant, ça ne marche pas à tous les coups, et donc, je ne sais pas si naturellement, ça pourra se faire. Voilà. Sinon, à propos des algues, ce n'est pas qu'une seule espèce, il faut savoir qu'il y a plusieurs espèces d'algues. Au départ, il y a quelques années, on pensait que c'était une seule espèce avec des souches, des clades, ce qu'on appelle des clades différents. En fait, on s'est aperçu que c'était plusieurs espèces d'algues qui étaient présentes à l'intérieur des coraux et que les coraux, en fait, ont choisi, ou les algues ont choisi les coraux, on ne sait pas. En tout cas, c'était une symbiose mutuelle, en tout cas entre algues et coraux, qui permettent en fait de vivre. Alors, les algues sont importantes, pourquoi? Parce qu'elles nourrissent en fait les coraux, car les coraux vivent dans des eaux très pauvres en nutriments. Les eaux tropicales sont en fait pas riches du tout. Et en fait, s'il n'y avait pas les coraux, ben justement, s'il n'y avait pas les algues, en fait, les coraux mourraient puisqu'ils seraient en jeûne permanent. Et c'est pour ça que les algues fournissent de la nourriture aux coraux. Les photosynthétases, c'est grâce à la photosynthèse, en fait. Il y a aussi dans les certaines, on sait que dans certaines régions du monde, comme par exemple le Golfe Persique, il y a des conditions de température qui vont largement au-delà des 30 degrés une bonne partie de l'année, avec des récifs coralliens qui ne sont pas aussi importants que ceux qu'on peut trouver dans l'archipel indo-australien ou dans le Pacifique ou dans l'océan Indien, mais qui néanmoins résistent à ces températures élevées. Donc ça veut dire que les souches de zooxanthelles résistent et sont adaptées depuis longtemps. C'est peut-être aussi une piste en termes de recherche, en termes d'évolution assistée. Oui, exactement. Le problème du Golfe Persique, c'est que le nombre d'espèces est très limité. Hein. On est à 70 espèces à peu près. Et donc, on ne sait pas pourquoi ces espèces, justement, gardent ces algues et pourquoi ça ne se fait pas sur d'autres espèces. Et donc, on a une perte de biodiversité nette, en fait. Donc, le Golfe Persique, il y a 70 espèces, alors que en général, on sait qu'il y a entre 850 et 1600 espèces de corail. Puisque le corail n'est pas seulement une espèce, mais c'est plusieurs espèces. Et on note à peu près oui, entre 850 et 1600 espèces de ce qu'on appelle des scléractinaires, des coraux durs. Donc, s'il n'y a plus que 70, on aura une perte de diversité, c'est sûr. Merci beaucoup pour vos réponses. Je passe à une question un peu plus technique. Quel type de capteur avez-vous posé au cours de vos plongées et quels paramètres ont été recueillis? On a posé des capteurs de lumière et de température, surtout en fait. Voilà, parce qu'on voulait vraiment avoir cette information sur les variations de température qu'il y avait sur plusieurs jours. Et notamment, on a découvert quelque chose qui allait à l'encontre de ce qu'on pensait de la vie dans les zones profondes. C'est-à-dire qu'on pensait que plus on descendait, plus c'était des environnements calmes. Et du coup, la température allait être extrêmement stable. Et finalement, on s'est aperçu que plus on descendait, plus la température était variable. Donc, c'est-à-dire qu'en 5 minutes, il pouvait y avoir des variations de 1 à 2 degrés. En fait, c'était vraiment énorme les variations de température que les coraux subissaient, alors que finalement, en surface, la température ne variait pas de plus de 0,2 degrés. Donc, c'était finalement très stable et très chaud en surface et beaucoup plus froid et plus variable dans les profondeurs. Donc, ça, c'était vraiment quelque chose qui était surprenant au départ. On s'est même posé la question si les capteurs marchaient bien, mais à force de le refaire tous les jours et de voir que ça montait toujours ça, on s'est dit, ben non, non, c'est vraiment l'environnement finalement, et c'est en fait, c'est dû à des remontées d'eau des profondeurs.
Et après, la lumière, ben voilà, c'était aussi important de caractériser finalement cette paire de lumières parce que, comme l'a dit Didier, finalement, les coraux, c'est des organismes qui vivent en symbiose avec ces algues. Et ces algues, elles ont besoin de la lumière pour faire la photosynthèse et pour apporter l'énergie au corail. Donc nous, ce qu'on voulait savoir, c'était un peu jusqu'à quel point ils pouvaient vivre avec très, très peu de lumière pour arriver à savoir finalement ben, comment ils arrivaient à s'adapter, à s'acclimater dans ces conditions très particulières et qu'est-ce qu'ils développaient d'autres comme mécanismes. Et après, on a fait aussi on a fait ce qu'on appelle des profils CTD. Donc là, en fait, on descend une sonde qui est équipée de différents enregistreurs, avec notamment pour l'oxygène, pour la salinité, pour la profondeur, encore la température. Et donc là, vous faites des profils continus, en fait, de la surface jusqu'à 120 mètres. Donc ça nous permet vraiment de voir où est-ce qu'on va avoir des ruptures dans ces différents paramètres et trouver notamment les zones de thermocline, en fait, où tout d'un coup, vous avez vraiment des paramètres qui changent. Merci. On a une question. On a l'une des participantes qui aimerait que Emmanuel parle du chercheur, Michel, et qu'elle en dise un peu plus sur qui il est, ce qu'il fait, et puisqu'il il a été assez touchant dans le documentaire. Donc voilà, avoir un peu plus d'informations sur cette personne. Ça a coupé, mais c'est Michel, c'est ça dont on parle? Oui, une participante qui souhaiterait avoir des informations sur le chercheur Michel, qui était ému et touchant. Voilà. Laetitia pourrait en parler aussi très bien, hein, parce que c'est elle qui l'a contacté pour qu'il fasse partie de ce programme. Très vite, elle nous a parlé de Michel comme étant un spécialiste, un peu, je pense, une bible dans son domaine qui est la taxonomie. Donc, si je ne me trompe pas, les scientifiques, la reconnaissance du squelette corallien et des espèces et des genres. Et Michel, c'est quelqu'un qui a eu une vie déjà incroyable. Au-delà de ses recherches, c'est quelqu'un qui a eu une vie un peu d'aventurier, qui était déjà dans l'équipe Pousteau, qui est installé en Australie, qui a fait beaucoup d'expéditions, qui a voué vraiment sa vie à la recherche. Donc, il est passionné et il est passionnant. Et après, ce qui est remarquable, c'est qu'il avait 79 ans, je crois, quand il était à bord du Wai. Et c'est quelqu'un qui s'est intégré à l'équipe et qui a mis une énergie dans le travail à bord qui était considérable, égale ou supérieure à mes pairs, on va dire. Il faisait des sécu surface en plein cagnard dans le bateau qui bougeait pendant 5 heures, à échantillonner. Voilà, et je pense qu'un peu comme Letty, il croyait plus forcément, en tout cas c'est ce qu'il nous a souvent dit, il croyait plus forcément pouvoir faire ce programme sur les récifs mésophotiques un jour. Donc je crois que c'était un accomplissement. Et puis ce corail à 172 mètres, pour lui, je pense que de manière personnelle, c'était une découverte importante, d'où son émotion, quoi. Voilà. Peut-être que Letty pourra rajouter un mot parce qu'elle le connaît très bien et encore une fois, c'est elle qui lui a demandé de venir. Mais en tout cas, pour nous, humainement, ça a été une très belle expérience que de partager l'expédition avec Michel. Ouais, alors moi, Michel, j'ai toujours connu parce qu'en fait, c'est un grand taxonomiste français sur les coraux, mais même international en fait, parce que finalement, la taxonomie, enfin en gros, l'étude du squelette corallien pour identifier les espèces, c'est quelque chose qui se perd parce que ça n'attire pas du tout les jeunes, hein, parce que c'est un travail très long, très laborieux et très difficile. Et donc moi, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration face à la personne qu'il était, parce que pour moi, il fait partie de ces premiers scientifiques du corail. Enfin voilà, c'est comme elle dit, c'est vraiment une bible. Et en fait, en 2016, on était ensemble à un congrès international sur les récifs coralliens. Il me dit, mais Laetitia, il faut étudier les récifs mésophotiques polynésiens, sinon les Australiens vont venir le faire pour nous. Je dis, bah oui, bah Michel, vous êtes gentil, mais bon, moi je ne peux pas plonger en dessous de 30 mètres, ça va être compliqué, quoi. Et quelques mois après cette discussion, Manu et Guylain ont sorti leur appel en disant, bah voilà, nous on va passer dans le Pacifique, on cherche des projets de recherche, on est expert en plongée profonde. Et donc là, je l'ai contacté et je lui ai dit, bah, Michel, je pense que c'est une bonne opportunité. Il m'a dit, ah mais oui, on fonce. Et du coup, je pense que pour lui, cette expédition, elle était importante parce que même s'il travaille aux États-Unis, il a fait beaucoup de recherches en Polynésie et
il a travaillé aussi avant Crium, donc il a une expérience un peu partout. Et pour lui, c'était important de faire ça. Et puis, je pense qu'aussi, ben, vu son âge, je pense que malheureusement, c'est peut-être une des grandes dernières expéditions où il pourra vraiment aller sur le terrain. Et du coup, pour lui, c'était vraiment, je pense, quelque chose qui lui tenait à cœur. Et effectivement, c'est vrai que moi, j'étais hyper émue de le voir avec autant d'émotion quand il se tenait ce corail, parce que c'est quelqu'un qui a vécu et qui a vu des choses fabuleuses sur le récif corallien. Et c'est vrai que c'était très émouvant qu'il ait autant d'émotions et finalement de pouvoir partager avec lui ce moment-là. Donc moi, ça reste quelqu'un que je trouve c'est assez extraordinaire d'avoir encore des gens comme ça, de son âge, aussi finalement passionnés encore par leur métier. Merci beaucoup. Donc, je passe à une autre question. Alors, je ne suis pas une experte et je vais essayer de la formuler correctement puisque c'est une question qui est en deux parties. Est-ce qu'il existe des travaux, des études génétiques qui permettent, donc dans un récif de surface, si je comprends bien, de se faire une idée de la part de ce qui arrive entre les courants de surface et les larves qui pourraient remonter des populations plus profondes. Je ne sais pas si je suis très claire, puisque la question a été assez longue et que j'ai essayé de la condenser, mais en gros, la question concerne plutôt les récifs de surface. Est-ce que d'éventuelles études génétiques permettent de savoir d'où viennent les larves. Est-ce que ce sont des courants de surface des autres récifs ou est-ce qu'il y a une part qui vient justement de ces coraux profonds? Voilà, je ne sais pas si j'ai formulé clairement. Alors, moi, je ne suis pas une spécialiste en génétique, mais oui, effectivement, c'est comme ça qu'on arrive à savoir comment sont connectés les récifs coralliens et de savoir finalement, quand on a de nouveaux individus qui arrivent sur le récif, de savoir d'où ils viennent. Donc, en fait, on prend des marqueurs en fait génétiques, hein, donc c'est une approche un peu spéciale, quoi. Mais en fait, on arrive à savoir si finalement des populations sont identiques, donc en fait, parce qu'elles vont partager certaines séquences de l'ADN qui vont être les mêmes, quoi. Donc, c'est des codages. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste, mais du coup, effectivement, en développant ces techniques-là, on arrive à savoir. En fait, il faut faire des grands échantillonnages. Donc, ça veut dire qu'il faut à la fois échantillonner en profondeur, en surface, échantillonner dans les îles voisines, échantillonner dans d'autres zones récifales. Et du coup, après, ils arrivent à retrouver finalement des marqueurs de parenté pour savoir si finalement cet individu-là est issu de parents biologiques qui sont dans les profondeurs ou il est issu de parents biologiques qui viennent de beaucoup plus loin. Et c'est finalement comme ça qu'on arrive à recréer ce qu'on appelle la connectivité du récif et savoir quelles îles sont connectées entre elles et est-ce que la surface est connectée avec la profondeur. Après, moi, je ne pourrais pas vous en dire plus sur vraiment la technique parce que ce n'est pas du tout ma spécialité. Mais oui, c'est comme ça que ça se fait, quoi. Au moment où on la ponte, en fait, les gamètes des coraux qui sont expulsés par les polypes coralliens, ils ont une flottabilité qui est positive en fait, et ils vont remonter à la surface vraiment, et c'est au niveau des quelques millimètres sous la surface que va se faire la fécondation et la fécondation croisée entre différentes souches d'une même espèce, et c'est après, un petit peu plus tard, la larve qui va se former à l'issue de cette fécondation, qui va notamment perdre des lipides, donc elle va perdre en flottabilité et elle va rejoindre le récif. Donc on peut imaginer bien sûr que qu'il y a des larves qui viennent des environnements de surface, mais également des environnements un peu plus profonds, et qu'après peut-être elles choisissent de descendre un petit peu plus ou moins profond suivant les espèces. Et ça, c'est sûrement quelque chose à explorer effectivement. Et c'est vrai que les larves, on sait qu'elles peuvent flotter justement, enfin rester dans la colonne d'eau entre une semaine et 3 mois. Et en fait, je crois qu'il y a des études qui ont montré qu'elles pouvaient parcourir plus de 800 km. Donc du coup, ça vous explique pourquoi il y a des zones récifales qui sont connectées. Donc voilà, du coup, cette zone qu'elles passent finalement dans la colonne d'eau, c'est ça qui permet de relier soit les zones récifales, soit les îles récifales entre elles, quoi. Effectivement. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous souhaite rajouter quelque chose à cette question ou est-ce qu'on peut passer à la question? Non, moi j'ai une question pour Laetitia. En fait. Est-ce que la ponte de ces coraux mésophotiques est au même moment que la ponte des coraux de surface? Pour l'instant, on ne sait pas trop en fait. On n'arrive pas trop à savoir quand est-ce qu'ils pondent.
Déjà parce que visuellement, on n'arrive pas à voir les gamètes et on n'a pas fini d'analyser tous les échantillons histologiques, quoi. Mais effectivement, ça reste un des mystères sur ça. Et notamment, on avait, alors c'était pas sur les espèces qu'on a travaillé dans DeepHop, mais on avait un champ de ronces coralliens qui était dans la zone des 40 mètres à Moréa. Et du coup, on a cru qu'il allait pondre en même temps que les espèces de surface parce que c'est la même espèce. Et en fait, ça ne s'est pas du tout passé au même moment. Quoi. Nous, on a attendu sous l'eau la ponte et il n'y a rien eu. Et quand on est sorti de l'eau, ceux qui étaient dans le lagon nous ont dit « Ah, ça a pondu partout !» Donc du coup, il se pourrait que ce soit décalé dans le temps parce que finalement, comme ils ont moins de lumière et que la température est plus froide, ben, peut-être le processus de gamétogénèse, en gros de fabrication des gamètes sexuels, pourrait prendre plus de temps. Quoi. Donc sur ça, c'est vrai que sur les pontes coralliennes, ça reste un mystère. Quoi. Et c'est quelque chose qui pourrait probablement être étudié en aquarium, puisque en fait on maîtrise maintenant en aquarium de par des programmes qui ont été faits d'abord sur les pontes in situ pour arriver à en laboratoire faire la fécondation, élever les larves, les faire se fixer pour pour des programmes de conservation pour éventuellement après restaurer les récifs coralliens. Et maintenant, on arrive même en aquarium à recréer, en fait, le moment de la ponte, voire pour certaines espèces qui sont bien connues, de choisir ce moment de ponte en fonction de la lumière, de la température, du cycle de température sur plusieurs mois, voire sur une année. Donc, c'est vrai que si on arrivait à maintenir certains de ces coraux mésophotiques en aquarium sur du long terme, on pourrait peut-être déjà observer s'il y a de la gamétogénèse et puis voir s'il y a des pontes aussi. Hein. Et à quel moment. Merci beaucoup. Emmanuel, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les autres expéditions en cours ou à venir? Ah bah, on y travaille ensemble avec Laetitia, en fait. Donc, elle pourra en dire un mot aussi. Nous, ce que je peux dire, c'est que DeepHop, c'est un programme qui nous a inspirés de collaboration. En tout cas, la collaboration nous a énormément inspirés parce que ça a bien fonctionné. Ça donne des résultats, ça a été efficace. Ça vient répondre à des questions qu'on a l'impression que les scientifiques n'auraient pas forcément pu étudier d'une autre manière. Donc, nous, c'est une collaboration qu'on a trouvée top, quoi. Et donc, on travaille là, pour les 10 prochaines années, un programme qui s'appelle Deep Life, dont Laetitia Edouin est co-directrice scientifique avec Lorenzo Bramanti, à étendre, en fait, d'une certaine manière, ce qu'on a fait avec DeepHop, mais pas seulement au récif corallien, à d'autres espèces et dans le monde entier. Voilà, on est en train de lancer la construction d'un nouveau voilier qui permettra plus de confort pour les scientifiques, plus de sécurité aussi pour répéter les plongées avec un caisson de recompression à bord, ce qui aujourd'hui nous est vraiment nécessaire. Et voilà, je pense que Letty, tu peux en dire un mot sur le programme scientifique lui-même. Oui, alors là, c'est vrai qu'on s'était vraiment focalisé sur les récifs coralliens et sur la Polynésie. Et Guylain et Manu, eux avaient envie d'avoir un programme. Alors, je pense que c'est à l'image de Guylain et Manu, hein, d'avoir un grand programme pour 8 ans et qui passait par tous les écosystèmes de la planète. Et en fait, il se trouvait qu'avec Lorenzo, en fait, Lorenzo, il travaille sur un concept qu'on appelle les forêts animales sous-marines. Et donc, en fait, il compare beaucoup d'écosystèmes sous-marins à des forêts, à des fonctionnements comme des forêts. Sauf qu'en fait, à la base, au lieu d'avoir des arbres, en fait, on a un animal qui construit en quelque sorte cette forêt marine. Et donc, dans les récifs coralliens, ben, cet animal, c'est le corail. Mais finalement, on s'aperçoit qu'il n'y a pas que les coraux qui forment ces forêts animales. On peut avoir des gorgones, on peut avoir alors, ce qu'on appelle des coraux noirs, on peut avoir des éponges, on peut avoir des acidies qui finalement créent tout d'un coup au milieu d'une zone, vous avez tout d'un coup une forêt animale qui est là, qui est présente et du coup qui va attirer de la biodiversité, qui va permettre d'avoir des services, qui va attirer les poissons et du coup qui crée tout d'un coup un oasis de vie. Et du coup, on s'est dit que ce serait
hyper intéressant de pouvoir étudier comment ces forêts animales se comportent dans les différentes zones de la planète, et notamment en comparant les forêts dans les zones polaires, dans les zones tempérées, dans les zones tropicales, et notamment de regarder leur vulnérabilité au changement climatique. Parce qu'aujourd'hui, on sait que toutes ces forêts vont devoir faire face au changement climatique, et que finalement, on a très peu d'études qui comparent ces différentes zones, parce qu'on a soit des gens qui travaillent en tropical, soit des gens qui travaillent en polaire, soit des gens qui travaillent en tempéré. Et donc là, l'idée, c'est finalement d'avoir ces forêts comme des exemples, et de faire les mêmes protocoles partout pour vraiment, finalement, à la fin, pouvoir comparer est-ce que vraiment les forêts polaires sont plus sensibles et plus vulnérables, et du coup, on doit vraiment mettre en place de grosses actions de conservation sur ces forêts-là, ou finalement, c'est les forêts tropicales, ou est-ce que c'est équivalent. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une vision globale de ces forêts animales, et qui sont aussi un peu... qui font aussi plaisir à voir quand on les découvre, parce que souvent, c'est des forêts, tout d'un coup, il y a des oasis de vie. Après, on s'attend aussi à trouver des forêts animales qui sont dévastées, qui ont été abîmées par les chalutages, parce que c'est des forêts qui sont profondes, donc qui ont pu être abîmées. Mais c'est aussi tout l'enjeu de l'expédition, c'est de partir à la découverte de ces forêts et de donner un peu un état de leur conservation et des actions qu'il va falloir faire pour les protéger. Merci beaucoup. En réaction, au-delà de l'état de conservation, est-ce que vous prévoyez aussi de caractériser un peu ces environnements, notamment en termes de complexité structurelle, puisqu'aujourd'hui, c'est des indices qui permettent de caractériser certains assemblages d'organismes ingénieurs et qui, la géométrie, enfin la complexité structurelle est pour beaucoup dans le rôle d'habitat et de nursery de ces environnements. Et du coup, là, avoir peut-être une espèce d'étalonnage des différents grands assemblages d'organismes ingénieurs mésophotiques, ça serait, moi, ça m'intéresse en tout cas après. Oui. Non, en fait, on a défini, aujourd'hui, on a 8 work packages, en fait, dont un, c'est vraiment caractériser la structure, la dynamique, la taille de ces forêts, de faire de la photogrammétrie, pour vraiment avoir la complexité structurelle, d'avoir aussi un inventaire de toute la biodiversité qui va vivre à l'intérieur, et l'idée, c'est aussi d'étudier la biodiversité sous plein d'aspects, donc au départ, très taxonomique et très traditionnel, mais aussi la biodiversité, le son qui va émaner de la forêt, parce qu'on sait que le son est un bon indicateur de la diversité, de regarder aussi ce qu'on appelle l'IDNE, donc c'est l'ADN environnemental de la forêt, qui permet aussi d'avoir un proxy en quelque sorte, d'avoir plein d'indices de la biodiversité de cette forêt. Après, on a un aspect qui est aussi de la prospection de nouvelles molécules chimiques, parce que finalement, dans ces forêts, on peut avoir des interactions un petit peu spéciales entre différents organismes, et du coup, de découvrir de nouvelles molécules au potentiel de médecine. Il y a un aspect qui est aussi d'évaluer l'état de santé de la forêt, regarder s'il y a des maladies au sein de la forêt, regarder comment le recrutement qui se fait dans la forêt, alors d'ailleurs, au travers de supports artificiels, je t'en avais parlé. Donc, de regarder en fait comment les jeunes en fait arrivent à recruter au sein de la forêt et à survivre au sein de la forêt. Après, donc, il y a tout un package de la vulnérabilité de la forêt, d'identifier quels sont les stress auxquels ces forêts sont soumises, de faire un peu un état des lieux de tous les facteurs stressants qu'elles ont et de la réponse en fait de ces animaux finalement au changement climatique. Et aussi, on veut essayer de regarder si localement, en fait, les connaissances sur ces forêts-là sont connues, quoi. Et notamment au travers des pêcheurs. Parce que souvent, quand on va dans une zone, les pêcheurs, ils vont pêcher à un endroit spécifique parce qu'ils savent que ça pêche là. Et donc, en fait, on veut aussi regarder au travers d'interviews et de savoir ce que les locaux connaissent, en fait, pourquoi ils vont pêcher à certains endroits et si finalement, c'est en lien avec la présence de ces forêts animales pour essayer de voir le rôle vraiment qu'elles jouent et du coup, de la rapporter de la connaissance sur ce qu'il y a en dessous. Voilà. OK, une dernière remarque et je me tais. Ces pêcheurs, ils connaissent aussi bien les zones qui ont été détruites. En fait, analyser la capacité de régénération de ces endroits-là, notamment à travers le séquençage, non pas génétique, mais chronologique, de la réimplantation de ces écosystèmes, c'est hyper intéressant sur le plan de la restauration. Moi, un des prérequis que j'avais donné à Manu et Guilain, parce que Deepop, en fait, on est passé une fois sur toutes les stations. Alors, c'était super, mais c'est vrai que c'était frustrant parce que dans la temporalité, on sait qu'on peut regarder après comment évalue l'état de nos écosystèmes. Et donc, du coup, là, sur Deep Life, l'idée, c'est de sélectionner 10 forêts
pour lesquels on pourra revenir 3-4 ans après pour justement regarder comment ces forêts ont été impactées et finalement comment elles se sont remises de certains impacts ou au contraire est-ce qu'elles sont restées conservées malgré les menaces autour, quoi. Donc il y a aussi cet aspect de temporalité qui est important dans Deep Life et qui nous permettra d'avoir d'autres questions aussi. Ouais. Merci beaucoup. Donc, il est malheureusement déjà 21h et donc nous allons devoir mettre fin à cette projection débat de ce soir. Nous avons encore d'autres questions qui sont restées sans réponse. On vous diffusera cette liste et voilà, les participants qui souhaitent vraiment avoir des réponses à leurs questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Moi, je pourrais aussi les transférer donc à notre panel d'experts pour une réponse différée. Donc moi, je remercie encore énormément Under the Pole pour la co-organisation de cet événement de projection débat de ce soir. Et également, merci donc à l'ensemble des participants à notre panel d'experts. Je ne sais pas si Raffaella Le Couvello, qui est la présidente de l'association, est toujours là et si elle souhaite prendre la parole. Raffaella, fais-moi signe si tu veux dire un petit mot de conclusion. Mais voilà, donc un grand merci à toutes et à tous. Le débat a été enregistré, il sera mis en ligne sur notre chaîne YouTube comme pour les précédentes sessions. Le film, bien évidemment, ne le sera pas, mais vous aurez accès en rediffusion aux échanges avec le panel d'experts. Voilà, donc c'était le dernier événement avant notre pause estivale. Donc on vous donne rendez-vous donc à la rentrée pour une nouvelle programmation, à la fois des ciné-débats, mais des webinaires, des focus sur les solutions, etc. Et donc moi, je vous souhaite à toutes et à tous un bel été et une belle fin de soirée. Voilà, je ne sais pas si l'un ou l'une d'entre vous souhaite rajouter quelque chose, mais en tout cas, on n'a que des messages super enthousiastes et on a même une question pour savoir si vous recrutez, Emmanuel, si vous recrutez des plongeurs, voilà, si c'était des vocations. Voilà. On recrute. La plongée est un peu spécifique, nous, comme on l'a fait, mais... Et avec Deep Life, on risque d'avoir besoin de plus de plongeurs. J'encourage aussi les scientifiques, autant qu'ils le peuvent, à se former recycleurs. On a Laetitia, on a bon espoir qu'elle soit plongeuse recycleuse bientôt avec nous pour Deep Life. Oui, bien sûr, les gens qui rêvent de faire ça, je pense que de toute façon, il faut toujours tenter, envoyer un mot. Et j'en profite pour remercier tous les experts qui étaient là ce soir parce que moi-même, je me suis régalée à vous écouter répondre aux questions. Et merci à Respect Océan pour l'organisation de cette conférence en ligne. Merci et beaucoup. Moi, je très bien que je trouve le dessin très joli là. Oui. Donc, je félicite l'artiste. Et c'est possible de l'avoir après en image. Ouais, oui, ce sera possible de l'avoir. Et ce que je vais faire, c'est que je vais repartager donc, mon écran pour vous diffuser les coordonnées. Alors, vous pourrez voir du coup, voilà, la petite tête de Fanny. Et vous pouvez aussi consulter donc son compte Instagram Sketching the Move. Vous pouvez voir aussi donc c'est une donc Fanny nous accompagne sur l'ensemble de nos événements en ligne depuis le démarrage de notre association et elle a facilité l'ensemble de nos projections débats, l'ensemble de nos webinaires. Donc nous avons une jolie collection aujourd'hui de schémas de Fanny sur l'ensemble de nos événements en ligne. Voilà, donc je vous ai mis ses coordonnées sur l'écran. Voilà, n'hésitez super pas à la contacter. Merci Fanny. Merci à tous. Voilà, un grand merci à toutes et à tous et à très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir.